Gon ti proverb kreol, haïtien toujours aimé utiliser pour identifier faux amis, moun ki nan sen yo, ki souvent ap trahi yo. Gran moun yo toujours aimé di, c'est rat kaye kap manje pay kaye. Et dernier gros exemple nous gagnons devant nous, c'est assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, dans ce moment-là, Jovenel Moïse, qui est petit président Jovenel Moïse, n'est pas qu'à Kembe encore. À quelques jours de deuxième année commémorative assassinat papal, 58e président paysan, eh bien, Jovenel a décidé de vider l'estomac pour le parler à tout le monde sérieux qui participait. Non, tout le président, le monde qui est en prison, ça qui continue à marcher sur le monde, ou bien des séries de complices qui font semblant que vous ne connaissez rien dans le dossier. Restez là, nous allons plus de détails dans un petit moment. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, quitté en Haïti samedi 1er juillet passé, eh bien, il a été rencontré avec quatre catégories de monde. Pouvoir en plaçant, parti politique qui proche pouvoir, parti politique qui constitue opposition politique là, avec membres de la société civile. Tu as gagné trois points pour y avoir un agenda. Yo t'a pral parler sous crise sécuritaire grave qui est en dedans pays. Yo t'a gagné pour y parler tout sous question aide humanitaire. Yo t'a gagné pour y parler sous consensus politique. Côté secrétaire général des Nations Unies, Chaviré Bagayla, c'est l'elle vin sous table avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Dossier a vini tout à l'heure comme ça. Et nous connaissons, dans le monde qui fait partie de l'opposition politique constituée, gagné membre accord Montanayo. Eh bien, c'est l'occasion pour nous faire parler avec les têtes syndicats. Ou pral connaît exactement. Et qui ça qui dit, comment lui-même lui concevoir visite secrétaire d'État des Nations Unies, et qui ça tout le monde attend de passage secrétaire en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? C'est toujours un grand plaisir pour moi avec nous. Je dis, c'est lundi 3 juillet 2023. Donc, c'est une occasion toute particulière pour nous avec vous, une petite émission pour vous. Côté, nous allons continuer de débattre sur la situation paysan. N'a continué par les pays, n'a continué analyser situation et cap dominer actualité avec ou dans l'idée pour pas rater aucun petit détail. M pas cacher dit nous ça, mes amis, pendant semaine ça là, déjà une semaine qui très chargée puisque nous on est m'a préparé là un documentaire, une sorte de reportage sur diverses réalisations que président Jovenel Moïse, que l'administration l'a tête en main. Donc, c'est des séries de belles projets, des séries de bagailles que peut-être pas de connaître et vous pourrez le découvrir avec moi. Et peut-être, dans la fin de semaine, et pourquoi pas, dans l'occasion assassinat président et Jovenel Moïse. Donc, vous chargez pas campé information nous pote déjà. Et sous pourquoi abonner à la chaîne, là, ma pévito abonné ou sous taxe 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Déjà, faut que dit nous, pour deuxième année commémorative assassinat président Jovenel, là, il y a un paquet d'activités et qui prévoit pour fête là. Il y a un garabio qui est en douille, même pour faire une expédition. Et pour 7 juillet, quand vous pour venir là, vous allez tracer vers, vous allez porter sec, vous allez faire un paquet de bagaille. Nous avons un groupe Jovenel ici qui est ancien et ministre de travaux publics là, Joseph Snarder qui a même préparé l'activité dans le Cap Haïtien. Nous avons diverses organisations, structures politiques qui étaient proches et président Jovenel Moïse qui ont même tout préparé diverses activités. Mais je dis là, nous allons parler de Jovenel Moïse, petit président Jovenel Moïse, qui nous note, li publié sur page Facebook officielle, li pas raté occasion pour attaquer assassin, traite, complice, coupable, qui participait dans touye papal, dans touye 58e président pays. Eh bien, nous note ça que Jovenel a publié, gagné plusieurs bagailles qui attirent l'attention nous là-dedans. Li pas seulement attaque, elle pas seulement indexé auteur yo, li indexé complice yo et diverses catégories moun tout, des séries de moun li pa ta konnen, qui ta participé nan complot, li préféré prendre distance li à tout moun. N'a pas gardé avec moi note ça que Jovenel Moïse publié. Son note qui en français, m'a pli le pour vous et après nous pral analyser li ensemble. Quand bien même, le cours du temps m'accorde le recul nécessaire à la saine réflexion.
Il m'est encore difficile de tracer une ligne précise entre les potentiels coupables ou innocents de l'assassinat de mon père. C'est pourquoi, avec le plus d'objectivité et de prudence possible, j'applique la présomption d'innocence sans aucune exception. Dans ce moment-là, que ton potentiel coupable, que le témoin qui est en prison, d'autant que la justice pour déterminer culpabilité, Jovenel Moïse lui préférait utiliser le principe de présomption d'innocence, lui considérer que tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que je suis d'avis que toute personne suspectée ou poursuivie est présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable conformément à la loi par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. Nous en sommes très loin. Donc, pour Jovenel Moïse, question pour ta gagner, y a un tribunal qui penche sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, côté qu'il y a un procès équitable et impartial qui fait là, il croit que bagay ça loin toujours. Est-ce que Jovenel Moïse pas quoi tout dans démarche qu'a fait par bon côté la justice américaine, côté que yo sauté condamné Rodolphe Jean à la prison à perpétuité, est-ce que le pas quoi là-dedans? Nous pas connaît. Je vais aller continuer pour le dire. Cependant, je garde en conscience que la prudence est mère de sûreté. Donc, il est obligé prudent, il est prudent avec Négol, prudent avec tout le monde, parce que le pape qui est qui est. Et dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, j'aime te dire, nous, dans le commencement, c'est rapkaï, kap manje, paikaï. Ainsi, le 7 juillet prochain, sera l'occasion pour moi et ma famille immédiate de continuer la célébration de la vie de mon père dans un cadre privé et solennel. Je ne peux en aucun cas risquer la présence de potentiels complices du lâche assassinat de mon père à un événement visant à honorer sa mémoire. Dans le doute, je préfère m'abstenir. Merci et respect à tous ceux qui prennent la justice pour leur soutien. Donc, 7 juillet, Kabgebouvignan, c'est l'occasion pour Jovenel et pour Jovenel Moïse avec famille immédiate. Donc la parler de famille immédiate, la parle bien entendu de madame li, petite li, maman li, et est-ce que seul ak frèl yo a pla, est-ce que Martin Moïse a pla dans célébration, nous pas connait. Sauf que année dernière, 7 juillet 2022, et moi-même t'ai présent dans première année de commémoration qui t'ai faite pour président Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse pas là, c'était Martin Moïse qui était là avec avec Jomali, avec Jovenel et avec Jovenel Junior Moïse qui était présent, qui était assisté avec et cérémonie officielle ça qui était faite dans résidence familiale là. Et non pas de constater Jovenel pas présent et prétendument il t'a fait affaire parler dans cadre privé parler avec famille immédiate parler. Donc est-ce que c'est même pratique là que Jovenel Moïse a répété à Anissa encore, parce que nous connaissons et ancienne première dame dans la a préparé un deuxième anniversaire commémoratif encore et dans résidence. Donc est-ce que Jovenel a plat, est-ce que le pape là, et est-ce que li pas considéré Moïse comme famille immédiate? Nous pas connaît, mais Jovenel li gen bagay pal li vle exprimer dans façon parli. Donc nous même nous là 7 juillet pour nous porter toute information au bas, on bon petit mamite pour connaître exactement et comment ça a pied dans deuxième année et commémorative assassinat président Jovenel Moïse. L'autre dossier qui est extrêmement important, gien pouwe avec visite Guterres. Hier nous t'ai parlé sur ça, nous t'ai survolé et visite Guterres t'ai fait en Haïti. Mais jodi an la, on l'ont là, je pral fonti parler et de système onusien, de système Nations Unies, parce que Antonio Guterres en tant que secrétaire général Nations Unies et li ka engager Nations Unies, ka engager ONU. Cependant, ou doit connaître que Nations Unies c'est un système disons multilatéral lié. Côté que il y a une grande différence leur et relation bilatérale qui a fait entre Haïti avec États-Unis, Haïti Canada, Haïti la France, Haïti Espagne ou bien divers pays corps groupe qui ont relation diplomatique avec Haïti. Ça qui passe dans les Nations Unies sont bagaille qui extrêmement différent, qui différent longtemps de relations diplomatiques bilatérales que Haïti a gagné avec l'autre pays. Qui semble comprendre avant même nous rentrer
Non, et maman peut bailler information non et non dialogue dans réunion qui t'est gagné entre Guterres avec diverses catégories monde nous t'est cité dans commencement émission. Ou doit connait Nations Unies, c'est une coalition, c'est une coalition de grandes puissances, des séries de pays qui t'est gagné et deuxième guerre mondiale là, donc et après deuxième guerre mondiale là, on décide de mettre les Nations Unies. Et si vous constatez bien, en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, c'est des séries de grandes puissances qu'il a. C'est des séries de grandes puissances qui a dirigé, qui a pris des décisions. C'est eux-mêmes qui érigent en maître du monde. Et c'est ça qui fait. Dans le commencement, l'homme parle que les Nations Unies ont un système multilatéral, un système pluridimensionnel. Où nous devons comprendre que pas gagner des décisions uniques qui prennent des Nations Unies. Puisque toute décision qui véritablement prend les passer de la Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un vote qui fait sous lui. Donc on est gagné et gagné près de 5 pays qui gagnent, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont même qui gagnent droit de veto, qui a décidé. À plusieurs reprises, gagné divers dossiers qui concernent Haïti, qui allaient qui passe dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le cas, par exemple, pour question de sanction. C'est le cas, par exemple, pour dossier force d'intervention militaire. Pour dossier sanction, je ne sais pas si nous songeons ça. Réunion qui fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un vote à l'unanimité qui est fait suite à la résolution et États-Unis avec Mexique, Tevin Arveli, sous ça qui vient pour voir avec comment yon pral sanctionner politiciens, moun nan secteur privé des affaires, diverses catégories, l'autre moun qui contribuye nan finance gang, nan finance bandi. Vu que nan sa ki gen pour voir avec supporter Haïti, aider Haïti pour camper, faire face avec gang, faire face avec bandi, combattre insécurité, dossier sanctions international là, et États-Unis avec Mexique te juge que c'est yon nan bagay, yon nan moyen possible qui te ka aider Haïti. Malgré que yon pays tant que la Chine, yon pays tant que la Russie qui en pile fois victime de question sanctions unilatérales par bon côté États-Unis, par bon côté la France, etc., yon te estime que aider Haïti fait face avec question sanctions, c'est peut-être une bagaille qui te ka peut-être jouer en faveur Haïti, jouer en faveur communauté internationale, jouer en faveur Nations Unies, de manière à ce que pour empêcher influence directe États-Unis ou bien pays corrompus dans ça qui vient pour avec et des décisions qu'a prend en Haïti. Pour qui ça? C'est pas que Nations Unies ou bien c'est pas que organes Nations Unies yo différent de en décision que États-Unis, Canada te ka prend et pour Haïti. Jean nous wè monsieur dame yo kon fèl et d'habitude là. Ça me nous comprendre relation États-Unis Haïti ou bien relation Canada Haïti la France Haïti li beaucoup plus pesant que influence Nations Unies te ka gagner sur Haïti parce que Nations Unies pas en décide un bon matin là yo pral envahir Haïti sans que pas gagner une décision qui prend de conseil là parce que gagne des pays tant que la Russie gagne des pays tant que la Chine qui en pile fois utilisent veto gagne qui en pile fois yo voté de manière défavorable par rapport avec un ensemble de décisions qui a prend de conseil sécurité Nations Unies qui concerne Haïti. Par exemple, si nous gagnons un exemple vivant devant nous, nous gagnons de mode force d'intervention militaire là depuis l'Ariel demandé États-Unis pour voyer militaire en Haïti pour dépêcher le plus rapidement possible une force d'intervention en Haïti pour venir supporter PNH etc. pour venir remplacer soi-disant entre guillemets PNH dans le travail de terrain qu'il a fait qui ça nous dit nous est la Chine d'où non bah il y a pas qu'à faire comme ça. La Russie dit non, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Si vous appuyez la baille, faut nous supporter PNH. Si c'est formation à faire pour vous, faut nous faire, etc. Parce que, il y a un ensemble de bagailles qui fait dans le passé avec les Nations Unies, avec les forces d'intervention en Haïti, qui quittent un goût à mer dans le bouche par ici, il n'y a pas qu'à faire n'importe qui. Donc là, si pas de gagner, si pas de gagner la Russie, si pas de gagner la Chine, si pas de bon conseil de sécurité qui existait, côté que discussion yo te ka fait côté que chaque pays te ka prend une décision suivant intérêt par yo prétendument suivant approche par yo gagne de réalité en li évident depuis les réalités mandé là États-Unis t'a déployé force d'intervention en Haïti ça nous clair sur. Maintenant qui ça me veut comprendre
Malgré que Nations Unies paraît moins nocif par rapport avec influence et pays yo, parce que yo pa ka décider de par yo même qui ça y a fait, comment y a fait les pour qui ça y a pral fèl, ça qui beaucoup plus important c'est qui légitimité Nations Unies gagne dans moment n'a parlé ya, ou bien dans moment que Antonio Guterres te décide de débarquer en Haïti pour venir chita parler avec différents acteurs. Qui ça veut nous comprendre? Jounen jodi an nous face avec une situation critique pour Haïti. Une situation qui est tellement critique, côté que c'est étranger, n'après les autorités qui sont pouvoir, autorité l'État, c'est blanc après les pour venir faire un coup, mais c'est blanc après les pour venir faire job BNH pour yo, c'est blanc après les pour venir et résoudre problème la caille pour yo, parce que yo estime yo pas capable. Donc si yo pas capable, gros travail qui supposé fait. À plusieurs reprises, et depuis leur réel sous pouvoir, réel pral gagné 20 juillet, kap gen pour venir la pral faire réel 2 ans dans tes pays. Communauté internationale là dans son ensemble, yo tout temps dou problème haïtien solution haïtienne. À chaque fois international là, Nations Unies, OEA, CARICOM, CELAC, BINU, à chaque fois yo fait approche problème haïtien solution haïtienne là, on bagay que nous tout en Haïti nous rêver pour nous wè, nous gen problème c'est acteur haïtien yo qui chita ensemble qui résout li. Communauté internationale, la proposition le fait dès le départ li biaisé. Li biaisé, là nous parler de biaisé, ça veut dire li controversé, qu'on va qui pas marcher bien là, qu'on faille. Le pourquoi? Pour communauté internationale, la cap supporter Ariel sous pouvoir, si gagné, yon bagay qui doit fait, qui doit résoudre, li doit résoudre avec Ariel. Et même Ariel Henry ça qui pral gagner 2 ans plein sous pouvoir 20 juillet cap gagner pour venir là. C'est même Ariel Henry ça nous gagne une opposition politique qui constituait de accord Montana qui constituait de diverses structures politiques qui rejoignent accord Montana qui signent pour te gon accord Montana qui fait yo considérer que Ariel Henry li pa ka bay résultat. Ariel Henry li pa digne pour diriger pays pour plusieurs raisons. Et une raison yo fait de assassinat président Jovenel Moïse en côté que gagné ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince Bedford Claude qui t'est à découvrir Ariel gagné relation avec une présumé auteur intellectuel assassinat une principal cerveau complot assassinat président Badjo Félix depuis les a dit ah Ariel pas bon mon Ariel va carré dans tes pays et jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce que juge d'instruction qui sous dossier a ta invité Ariel Henry jusqu'à ce que yo ta indexé, jusqu'à ce que yo ta inculpé Ariel Henry, jusqu'à ce que un tribunal ta jugé Ariel Henry, etc. condamné Ariel Henry. Ariel Henry li pas de manière concrète ou bien de manière officielle, yo pas reconnaître li dans dossier assassinat président Jovenel Moïse parce que un juge pas jamais invité, li pas jamais tendé, li pas inculpé, rien pas fait sous dossier Ariel Henry. Donc, pour le commun des mortels, pour opinion publique là, même genre si t'es non Matéli, si t'es non X, si t'es non Y, si t'es non Z, eh bien Ariel Henry qui fait partie de monde qui t'a impliqué, qui t'a gagné non la cité dans dossier et tout président Jovenel Moïse. Donc Montana estime le pas dialoguer avec Ariel Henry par rapport avec et divers bagages à homme sur site là. Montana fait élection, il est président, il est premier ministre. Même le premier ministre a été remettre démission, le pour comprendre qui nouveau premier ministre qui gagne. Mais Montana, concept plan, c'est un exécutif bicéphale, un président, un premier ministre, qui n'a pas rien pour voir avec Ariel Henry. Communauté internationale, là, pendant y a demandé dialogue inter-haïtien, y a demandé problème haïtien, solution haïtienne, y'a voulu que Ariel Henry rete yon parti dans solution. Toute solution qui pour jouer pour communauté internationale, là, faut qu'Ariel Henry son parti dans solution, fait partie de solution, alors que reste moun yo, reste opposition politique là, yon pas vle. Donc, de là étant, n'a déjà comprendre, c'est tant qu'a perdu, yon pas réglé, pas besoin vraiment de consensus politique qui jouen avec Ariel Henry. Et c'est là où pral comprendre que toute décision, toute demande que communauté internationale la fait, li biaisé. Maintenant, il y a un autre problème encore qui constitue la légitimité des Nations Unies, qui constitue la légitimité visite secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, fait en Haïti. Là. Qui s'allie? Nous connaissons de 2004 à 2017, 13 ans, MINUSTAH
fait en Haïti, gen choléra, gen viol collectif sous forme actifi, yo volé bête paysan yo, yo coché cabrit, yo coché cochon nou, tout bagay sa yo mande réparation, tout bagay sa yo ta mande pour Nations Unies penché sou yo. Pour Nations Unies évaluer mission qui passe en Haïti yo. Nous te gen binu avec Madame Lalim. Son désastre. Non, Madame Lalim, dans tout scandale. Non, Madame Lalim, a cité dans Frédéric Ginef, en famille alliée. Non, Madame Lalim, a cité dans divers scandales. Même dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et non, Madame, dans le cité. On dirait que pas de aucune évaluation qui fait par bon côté Nations Unies pour dire voilà, voilà, mais combien de temps Madame Lalim fait dans tête binu, mais scandale que yon reproche en Haïti, est-ce que yon fondé, est-ce que yon infondé, qui ça qui doit faire, qui ça qui pas doit faire. Nations Unies dou, nad marinade, en yon pas fait, tout le monde continue à faire votre parole dans le chemin par yon. En toute impunité. Et entre temps, yon voye en l'autre représentant dans tête binu. Et pas là pour fini. Vu que Antonio Guterres vini, dans toute discussion qu'a fait yo, nous pas aucune information officielle publique qui publié ni sous compte Primature ni sous compte Ariel Henry qui rappelait que en dehors des Nations Unies, il y a une question de réparation pour 11 000 familles victimes de choléra yo qui mentionnait bagay ça pas parlé. Question évaluation binu, moun ki passe en dan binu, moun ki tap travail en dan binu, bagay sa yo pa pale. Donc, question de légitimité visite Antonio Guterres, li pa ou tout doit en tant qu'haïtien pour dire qui sa véritablement Nations Unies ka regle nan crise pays. Eh bien, messieurs, dames, faut mwen di nou, nan kat visite Antonio Guterres, genye 3 points fondamentaux pour yote discuter. Gravité crise sécuritaire là, parler de consensus politique et également parler de aide humanitaire côté gagné près de 4 points 6 millions haïtiens qui n'ont extrême pauvreté qui n'ont grand goût atroce mon mouri grand goût c'est ça et Nations Unies estime agence qui gagne pour avec question la fait dans le monde là qui gagne pour avec question grand goût yo estimé. Eh bien bizarrement Antonio Guterres t'a pral évoqué dossier assassinat président Jovenel Moïse dans ça qui gen pour avec discussion qui t'a faite sous consensus politique. Antonio Guterres qui ça le dit. Li fait connait que li profiter de visite li de passage en Haïti pour le demander l'autre fois encore pour que tout auteur assassinat président Jovenel Moïse yo pour yo traduire pour yo mettre code dans pour yo traîner yo devant la justice pour yo al répondre de zak yo et que gen rétablissement institution démocratique yo qui rive fait en dedans pays. Moi même question m'a posé tête moi le point ça évoqué dans discussion yo comment premier ministre Ariel Henry comment sent-il comment sent-il parce que nous avons cité dans tout le président, population pas fort confiance dans le dossier assassinat président, par rapport avec vous même qui sous pouvoir et que toute juge d'instruction qui passe, c'est comme si vous peur, c'est comme si ou c'est King Kong, vous n'avez pas approché tout pour vous n'avez pas approché, pas jamais gagné une qui relo, vous n'avez pas jamais tant donné dans le dossier président Jovenel, ça va être la flou. D'ailleurs, mais qu'on est. Comment véritablement Ariel te réagit? Est-ce que Ariel te comme si un petit monde reprenne liste en position Adèle sous chaise? Reprenne par rapport avec situation ça yo figure Jean Ariel Henry a trahi. Jean quand même a dit pas innocent. Jean même dans cas divers n'est pas innocent parce que véritablement clamé en public là chaque jour tout le monde avons parlé de dossier assassinat président Jovenel Moïse tout le monde longe doit toute longueur sur Ariel Henry donc m'pa croire Ariel Henry l'a senti confortable le secrétaire général là t'a soulevé bagay ça mais qui ça la république captain la république captain que grand tribunal spécial qui mettait campé au tribunal spécial qui mettait campé dans dossier assassinat président Jovenel Moïse côté véritablement pral gagner des enquêteurs indépendants, pral gagner des experts sous dossier, hein? Pral gagner des séries de moun qui estime yo pa gen rien pour yo cacher, des séries de moun qui estime que yo pa gen aucun intérêt moun pa ou ya protéger, m'a parlé de experts yo et qui pral fait travail en toute impartialité, en toute indépendance. Jounen jodi en Haïti, nouwèl noir sur blanc. Oui, c'est vrai, nous pa cracher sous travail d'instruction. Walter Wessé Voltaire lui-même côté lié à
côté la travail la fait travail pal nan bon pal m'pa di la fait travail en catégorie moun m'pa di l pa fè travail en catégorie moun sauf que gen des série de moun li rele nou te attend que gen des série de l'autre moun li te rele tout nou pa jan mwen l'autre moun sa yo nou pa konnen 2 ans après 2 ans après yo fin assassiner un président pa ko jan gen yon inculpation ki fèt yo pa ko jan inculpe x yo pa ko jan inculpe y yo pa jan inculpe z nan dossier a dossier a passé de juge d'instruction à juge d'instruction dossier a passé de main en main. Tout le monde qui a connaissance de dossier, il a profité de l'information sur lui. Tout le monde qui a connaissance de dossier, il a profité suivant l'influence politique, l'autre monde qui t'a complice coupable, l'autre monde dans le secteur public qui t'a investi, dans le secteur privé public qui t'a investi l'argent et qui a cherché à connaître qui s'est gagné dans le dossier, qui a cherché à connaître est-ce que non, il y a un rapport d'enquête, etc. Mais ici, il n'y a pas de bonnes informations, il n'y a pas de bonnes dossiers. Oui. Bon, alkwe yon nan. Mwen men, véritablement, dossier assassinat président Jovenel Moïse, mwen rete kwe. Si bon travail sérieux ka fait sou li, fòk commencer gen inculpation ki fait. Fòk commencer et fòk yo commencer voye reprendre criminel yo al juge devant tribunal avec assistance de jury. Kote yo pral choisi même jury yo. Côté nous pas peur pour nous condamner vagabond ça pour nous condamner criminel ça et question tout ça est extrêmement important oui question tout pour attendre il y a des séries de monde la justice invité à titre de témoin dans dossier assassinat président Jovenel Moïse qui ont même yo senti au confortable parce que juge pour déterminer est-ce qu'il a changé statut de témoin ou un statut de complice etc. Vous n'avez pas de monde qui confortable dans dossier Jovenel là parce que dossier assassinat président, complot ou complot dans toute la rue 3 pour 15 étapes liquidées. Complot dans toute la rue, presque tout le monde est au courant, moi pas au courant. On va prendre moi pas au courant. Peut-être même pas au courant, mais moun qui était censé proche président, était censé au courant de dossier, yo une pas lever le petit doigt. Journée jodi on prend des séries de nèg qui fier pour yo do. Oh, yo relè m juge relè m titre de témoin. Ou tes proches collaborateurs pas au courant de rien et puis bah là dans toute la rue. En tout cas, et c'est un dossier à suivre, je vais aller le parler et li évident que nan jou k ap gen pou vini la yo, ap gen l'autre collaborateur, ap gen ancienne première dame nan tout. Et prétendument qui ap gen pour le parler, pour le proposition et par rapport avec deuxième année commémorative. L'homme qu'on est Ariel pral fè je cherche tout avec le gouvernement pour yo et proposition. Li évident que Ariel quand même et d'où yo pral fè des séries de activités là nan Mupana, la jeune fleur, etc. Vina bougie, et faire déplacer, prête, reprendre, faire messe, etc. Ariel Kafel, lui. Ariel Kafel, nous connaissons M. Zayo, comment il est. En tout cas, nous connaissons, et par rapport avec la situation pays est là, et depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, toute situation vient de empirer. Dans la question politique, il y a une plus grave. Dans la question sécurité, il y a une plus grave. Et dans ça qui vient pour avec aide humanitaire, dans ça qui vient pour avec crise humanitaire, haïtien dans plus grand groupe, on y a plus chômage, on y a plus précarité et son situation qui vraiment inquiété communauté internationale là, qui vraiment inquiété Nations Unies et pendant passage Guterres là, il était évoqué et crise humanitaire là, il estimait que et Nations Unies gen un plan et d'intervention côté que yo prévoit 720 millions de dollars américains pour yo aider et avec question aide humanitaire là avec question grand ou question misère et bien juste dans moment y a parlé là et projet sa plan ça li financé à hauteur de 23% donc li lancé appel avec respect qui fait partie de Nations Unies de communauté internationale là pour regarder comment yo ka aider Haïti pour yo virer tête pour yo virer géo garder Haïti parce que ça ka passé en Haïti li estime que chaque pays qui fait partie de reste monde là yo gagné yo gon dette morale vis-à-vis de Haïti c'est une question de justice morale c'est une question et d'entraide politique sont question d'entraide diplomatique tout parce que Haïti pas ka nan région pour c'est li pi mal dans Caraïbes là Haïti pas ka nan région Amérique là pour c'est li pi mal donc li estime que États-Unis Canada avec reste pays et qui dans Caraïbes là yo gagné et yo gon dette morale vis-à-vis de Haïti j'aime te annoncer gagne divers structures politiques gagne divers catégories moun tant que représentant Montana représentant
et structure politique qui proche avec Ariel Henry qui était rencontré avec Guterres. Et bien pral kite là avec Ted Syndic qui lui-même qui c'est un représentant et BSAO bureau suivi à Comontana qui lui-même li pral ba nous plus de détails sous visite secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, comment il concevoir et qui ça li estimé sa capoté et pour pays sa capoté pour classe politique là. En entendez. La presse, M. Antonio Guterres dit qu'il a rencontré parti politique qui n'en pouvoir, qui proche pouvoir, qui n'en opposition et parti politique qui n'en opposition. Certainement Montana, Montana pas parti politique, Montana non équipe qui pas n'en pouvoir, société civile, etc. Rencontre ça, qui ça qui dit la donnée? Comment contacter en termes d'ambiance avec le secrétaire général, là, M. Syndic? Très bien. Et sous permettre, comme d'habitude, il faut toujours mettre bah, ça en cadre un peu plus large et visite de M. Guterres en Haïti. Dans le moment, ça précisément, il est intéressant pour nous garder qui développement qui gagne dans le pays et qui développement que international dans la relation avec Haïti a fait ces derniers temps. Et c'est dans le contexte que visite là est. Donc, et, premièrement, il faut nous rappeler que depuis février, sur Radio, on a annoncé, là, sur Radio, ça, justement, que moment de négociation sérieuse a venu à priver son nom. Et de fait, depuis lors, ils ont pris le bas, suite à demande, particulièrement demande d'intervention militaire et internationale dans le pays pour venir dire, ou bien pour venir résoudre le problème de sécurité. Et des marches qui faites aux Nations Unies, plusieurs rencontres faites, il n'y a pas qu'à jouer un consensus sous demande officielle d'intervention et d'occupation pays que le gouvernement fait. Hein. Donc, le moment de divergence de complications, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, il n'est pas capable de donner possibilité de prendre un leadership, ça a fait place à ouvrir faire. Hein. Et Montana toujours campé en face projet ça, qui va dénoncer, et qui fait qu'il y a un pile à l'événement, il y a un pile d'invitation que Montana vient pour discuter, un pile de rencontres faites, et là, nous n'est pas capable de négliger que des rencontres majeures du fait. En CARICOM, côté que Montana était présent, et il y a un événement qui passait dans ça. Côté projet, visiblement, te paraît, son affaire, comment de rejoindre une entente autour du 21 décembre, ou bien oui, l'élargissement du 21 décembre, pour mettre tout le monde là-dedans, pour y aller dans l'élection, alors que depuis 2 ans, on avait expliqué que pas de moyens de faire élection dans le pays, dans les mêmes conditions habituelles, faites pas, la cooptation, la magouille, le désordre. Il faut que nous rétablions l'ordre institutionnel, ce qui permet que nous arrivions, et Jamaïque, Kingston. Et là, événement important à paraître, c'est que ensemble d'acteurs politiques qui non signataires du 21 décembre fait une déclaration commune qui d'importance et qui me ramène à ça que nous toujours disons dans l'ordre institutionnel, la question des deux têtes du pouvoir et exécutif. Le bicéphale est grand, un document signé. Et qui permettent que Mounio clair sous question là, que des autres qui viennent là dans le pays, son pouvoir autocratique, ou seul monde qui met le pays, problème ça, pas capable d'avancer bon, vers une élection démocratique. Pour nous-mêmes, il faut que les changer. Changer. Maintenant, samedi 1er juillet, non, alors, c'est l'ambiance ça que M. Guterres, qui fait plusieurs voyages, et y compris en CARICOM, pour le préparer en continu de faire notre bois, américain, traversé, le préparer en continu tout, c'est dans le cadre de ça que. Avancer sa fête, ils ont venu en Haïti, ils ont rencontré samedi. Ils rencontrent samedi, alors il faut me dire que c'est toujours douloureux pour nous-mêmes, les non-là, ils rencontrent ça. Pour nous garder ce qu'on appelle le pouvoir de ce pays et qui a demandé, est-ce de manière comme si, on a dit honteuse, que faut pays, il faut qu'on force d'intervention dans le pays, par exemple, l'autre bagaille pour faire, nous avons des propos qui sont terribles, côté Mounio même parler de sollicitude paternelle de M. Guterres. Des bagages qui vous t'a fait même comme Aïssé, qui m'ont tiré 40 fois l'encore. Mounio, c'est qui m'ont arrivé. Mais cependant, Mounio, c'est qui m'ont. Je sais. C'est clairement affirmé. Mais l'ambiance était de toute façon respectueuse parce que nous-mêmes, c'est le débat sagné. Et il y a une réunion assez sereine qui permet de préciser ça que tu viens pour préciser. Vous parlez de Mounio qui t'a sollicité, qui t'a parlé de sollicitude paternelle, Antonio Guterres. Mounio, c'est qui est-ce? Non, nous n'avons pas besoin de mettre le nom. Mounio, mais il a affirmé, il a écrit au public, il a réuni un conseil des ministres, il a posé un bagage, il a voué troupes immédiatement. Et nous, il a compris la main, il a demandé une occupation de territoire pays, pendant que le responsable
yo dit yo responsable pays a, yo responsable sécurité pays a, yo incapacité yo, seule réponse yo gagné, c'est dit blanc fini, ou nous faisons une petite et grande musique, qui m'ont dit qu'on chantait, les cap pas qu'à monter, pas qu'à jouer le vent, on a dit vent fini, bon bon bon. Yo même a dit blanc fini, ma bon bon bon. C'est ça, ça nié, c'est ça, indignité que la ville, les nous en situation pour affirmer, sans toujours dire, sans d'aller les fierté haïtienne, nous, capacité de gérer le pays, si nous mettons tout ensemble, c'est face à ça qu'on tombe dans une situation comme ça. Donc maintenant, quel a été le message du groupe de Montana et au secrétaire général des Nations Unies par rapport à cette question de demande d'assistance militaire internationale au bus qui est portée par M. Guterres? Et quel a été votre message à vous et votre position? Très bien. Et le message est toujours clair. Et le message porté, et on voit que dans un premier moment, M. Guterres était dans le projet d'avoir une présence militaire. Et pour pas réaliser que M. commence à expliquer, c'est une présence militaire encore, mais son présence robuste. On ne sait pas que ça signifie présence robuste. C'est pas militaire, mais par contre, ça lié. Bon, bref. Mais quand même, on retrait sur cette parole-là. Là, la position de Montana est claire. Nous dit que pays a la situation liée. Si on a assistance technique suffisante, il permet d'y acheter des amis, des équipements que le gagnent. Il permet d'y faire vetting en de police, ça le fait normalement, j'en vous le faites là. Et que les joignent au moyen que dépolitiser la police là et au casser lien pouvoir d'État avec les gangs, il y a un moyen pour résoudre problème sécurité insécurité dans le pays. Et l'expérience montrait que simplement le phénomène qui paraît sous nous brusquement les bois calés avec toutes les réserves qu'on gagne sous lit, mais son expression de légitime défense et de défense de la vie, parce que l'éthique de la survie sont bagage qui est important. Mounio affirmé avec associé avec des groupes de policiers, non pas avec l'institution policière, mais avec des groupes de policiers de quartier, ils ont créé un autre état d'esprit, vingé une autre puissance qui paraît en deux pays, qui montrait que Bandio n'a pas compté vite de vingt avec ça au pli. Mais ce qui se passe là, même investiguer, même comprendre, pas essayer de comprendre ni. Puis on est sûr capable de faire une réponse institutionnelle légale à la question du banditisme à partir de l'expérience que les peuples nationaux haïtiens mettaient ensemble avec en confiance avec des éléments de la sécurité de l'État comme le cas résoudre le problème. Donc pour nous, le message toujours répété, c'est ça. Nous sommes contre toute intervention militaire dans ce pays. Donc ce message a été clairement dit. La deuxième chose, puisque nous parlons d'une question de leadership politique dans le pays, qui en lien certainement avec les gangs, nous dit que ce leadership politique doit être changé et nous pouvons suspendre, répéter ça et tout ça qui est pour le faire à travers une négociation politique où les forces sociales affirment cette construction de forces sociales. Nous arrivons dans un moment, je vous dis, qui est extrêmement important. Côté sous table, côté la réunion, ces forces sont là. La seule chose dont ils sont timorés sur leur capacité de pouvoir d'État pour imposer à l'étranger ce qu'eux-mêmes ont décidé. Donc, il y a un petit gens tiraillés parce qu'il y a l'impression l'omnipotence et l'omniprésence de l'international, un petit gens ankylosé, par cap permettre d'avancer. Donc, il suffit que vous fassiez ce bon nécessaire et important maintenant pour vous faire. Il y a imposé à l'international la manière de voir et de diriger le pays dans le choix de ses dirigeants. Maintenant, nous avons, on dépêche de l'ONU, qui citait M. Guterres, nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Et il dit le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendra assister à la PNH dans la lutte contre les gangs. Maintenant, le déploiement immédiat d'une force de sécurité, où dit le panne. Où se dit on va là? C'est quoi? Où dit le panne? Expliquez-moi. Non, nous disons force robuste, internationale robuste. Nous, par contre, pas ça, le dit pas militaire. Donc, nous pas comprendre. Donc, ça veut dire que les sont paroles que ils peuvent poser parce que dans l'embarras où ils sont, parce qu'en même temps, dit tout, il faut que les Nations Unies, Conseil de sécurité, aient autorisation pour ça. Donc, le conflit interne, géopolitique, on y a réglé sous question Taïwan, sous question Ukraine et la question d'Haïti, côté les États-Unis d'Amérique, en situation, si vous le faites intervention, il faut le faire lui-même, d'après leur jeu de politique internationale, mettez-le en difficulté. Vous comprenez? Donc, ça ne va pas finir de comprendre l'engagement, mais quand même, il est clair que son bac l'a fait sur cette question de l'occupation militaire de ce pays qu'on appelle Haïti. Et M. Guterres, tout également, dans l'intervention, il a encouragé que on dialogue entre les acteurs haïtiens pour
que gagne une solution politique. Vous avez évoqué là tout à l'heure là comment des entités politiques et m'taka dit via une proposition de faire constituer quelque part un bloc par rapport à l'accord du 21 décembre côté nous des propositions en termes de gouvernance. Maintenant, est-ce que c'est simplement une prise de position ou bien est-ce qu'on a évolué en tant que bloc par rapport à Jean Noël question gouvernance à nous régler? Première question, mais vous avez une réponse sur ça. Et deuxième question, tout le monde a dit, pour nous pas traverser 8h10 parce que nous allons faire éditorial. Il est dit que gagner et derrière ce gouvernement est envisagé, à la fois pour le ministre, à la fois dans la mise en place un conseil électoral et à la fois dans le changement au niveau du gouvernement. Nous-mêmes, comment nous analyser mon ça? Est-ce que c'est 18 ans? Est-ce que c'est des bagages que nous pensons qui sont susceptibles et de et permettre que qu'on ait une solution à la crise? Réponse. Très bien, merci. Et ma réponse par deuxième nom. Par deuxième nom, c'est pas nouveau. Et c'est depuis 2 ans et M. Ariel Henry a dit ça. Il va faire élection. Depuis 2 ans, il va faire un gouvernement, il va faire un gouvernement large, il va faire tout ça, il va faire, c'est pas juste à l'annoncer, sauf que nous ne va pas faire. Il va faire parce que par intérêt par lui, éventuellement, par contraint pays à imposer lui, et puis en même temps, tout, et incapacité, et gouvernement pour avancer plus devant. Il a toujours, le matin, décidé de faire ça, mais ça ne va pas résoudre le problème. Donc, ça fait, en principe, nous pas tellement, et préoccupé par ces annonces-là, d'autant plus que M. Ariel Henry est arrivé question, et M. déclaré dans le discours d'ouverture, que il n'est pas venu là pour faire une négociation, pour faire un nouvel accord, mais il n'est pas non plus venu là pour redistribuer poste, pas bien poste pour tout le monde. Donc, il t'a parlé certainement à mon 21 décembre, sur mon terrain de sacrifice, il besoin plus poste, plus fonction. Donc, il t'a parlé avec eux, il t'a tout répondu. Donc, ça veut dire que c'est un discours qui permet que, il fait 2 ans, il l'a toujours. Et permettre qu'on y a pensé que le cas font 3e année et éventuellement 4e année. Parce que dans la conversation avec elle, il explique nous que le légal, le constitutionnel, et il y a toute base de société avec lui. Donc, nous-mêmes dit, dans ce cas-là, il n'y a pas même besoin de faire élection, que le retour au pouvoir, le mandat complet. Donc, c'est pour nous que c'est pas un bail nouveau, ça, c'est pas une préoccupation. Mais maintenant, le plus important, c'est la première question que je veux dire là, c'est la question, est-ce que, à partir de déclaration de Kingston, hein, et puis s'arrêter là, ça finit? Non, c'est pas simplement une déclaration. Après cette déclaration, nous continuons à réunir, nous continuons à discuter sur un bail complet. Parce que c'est un moment, c'est une expression de nécessité pour l'engagement dans le pays, à la question d'une gouvernance bicéphale, pour permettre que vous retourniez à l'ordre institutionnel dans le pays, hein, pour sortir en bas pour voir individuel au monde, même je ne vais pas parler les dictatures, la religion, l'autocratie, n'importe qui ça, mais c'est le fait de pouvoir au seul monde qui l'a et celui qui a décidé de l'avenir de ce pays. C'est inadmissible. Et même dans la discussion avec l'international, là, ça y aura l'eau, à chaque temps, il faut avancer, on pense au cas d'une solution à cette question, à retour à l'ordre institutionnel, pour une préoccupation, c'est moi, mais qui ça a pas carré, qui ça va piller, de quel sont l'avenir, il sera où? Personne ne va poser question sur la question de monde qui a mouru. Personne ne va poser question, si même l'autre a pris un discours sur humanitaire, mais là, on a une discussion politique avec eux, ne va pas poser question ça. Mais c'est la question personnelle de M. Ariel Henry qui préoccupe eux, c'est son avenir qui préoccupe eux. Donc, sur les tables que nous, là, on a discuté, on a avancé, c'est une construction de projet global, proposition Montana, là, proposition l'autre parti politique, là, proposition de acteurs sociaux là, sous table là, proposition secteur privé là, sous table là, n'a mettez-vous ensemble, joignez au moyen que nous formulation unique qui permette que nous résoudre problème crise pays à gain. C'est un problème de M. Ariel Henry que nous résoudre nous-mêmes. Puis si projet par nous, projet par nous, c'est résoudre crise pays à de manière pour nous calmer l'élection de manière démocratique. Pour tout qu'on a là-dedans. Permettez-moi d'interrompre. Le prise de position, ça fait différentes entités qui viennent là-dedans, les partis politiques, groupes, etc., etc. Il y a des gens qui gardent les lits, ils disent clairement, il y a 2 visions et clairement définies. D'un côté, il y a le 21 décembre avec sa vision de la gouvernance. Et de l'autre côté, il y a toutes ces entités qui ont signé ça dans le sillage et négociation de discussion politique de Kingston. Clairement, est-ce que, au-delà de la signature, ce que certains pourraient considérer comme un bloc, est-ce que ce bloc vit? Est-ce que ce bloc se voit comme une force de proposition, d'initiative, de prise de position, de convaincre PIA? Aidez-moi à entrer dans ça, et c'est ma dernière question pour que vous compreniez mieux. Oui, très bien, et très bien. Et moi, je pense que c'est important, parce que, bref, en général, les pays, à la condition sociale, les pays, les difficultés à confronter, conditions interpellées tout acteur politique et social là-dedans.
mais ont toujours une difficulté pour exprimer, pour engagement sur la manière de changer cette situation-là. Et heureusement, à un moment, il y a 200 ans, avant d'assassiner et Jovenel Moïse, qui prend le paraître là, anniversaire prend le paraître là, et puis Wap Dian font élection dans le même cadre ça, pour mettre ton président dans les mêmes conditions, pour même pas là éventuellement arriver après. Donc, la question de fournir une crise là, et mettre une base qui permette que le pays a un moment de pacification, au moment dont cette réforme fait dans le pays a. Sont questions que le peuple haïtien a parlé entre il y a, sont préoccupations qui nous viennent avec tout acteur. Mais il y a un qui doit plus presser par la question des élections, parce qu'il y a la pensée que vous pourrez immédiatement gagner l'élection. Ou bien il y a un qui doit penser que plus que vous volume d'investissement à terre, il n'y a pas qu'à répondre, parce que vous avez espoir, vous avez temps, peut-être pas perdu. Il y a des gens qui ont sauvé. Et en même temps, gagner l'international qui a joué avec vous. Sous on fait de menaces, sanctions et pas sanctions, d'intervention et pas d'intervention, qui mettait l'on situation compliquée, côté que faut extrêmement, comme on dit, intelligent et une capacité que entre nous, nous joignent éléments qui sont plus petits possibles à la mi-temps, nous, qui permettent de nous faire unité ça pour avancer. Unité a, l'île, l'existe qu'on y a. Mais c'est comment vous mettez mécanisme de fonctionnement, mécanisme de mettre dans l'espace pour résoudre le problème, là, c'est le mécanisme qui a une difficulté là-dedans. Parce que le mécanisme fait que l'objet prend ce moment où il va le faire à Moun. Et laissons parler en bagaille qui est le caractère partisan qui commence à paraître dans le temps. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas eux, côté à pied, côté intel à pied. Tout ça pose des problèmes, c'est des difficultés. Mais c'est pas un bagaille qui comme si, qui pas normal. Non, c'est normal que ça arrive. Et c'est normal pour nous comprendre ça en tant qu'acteur politique, acteur social, acteur économique, que ces conflits, même si au momentané, il est nécessaire que arriver ou pour gérer, parce qu'on pour appeler à gérer un pays tout. Donc c'est ça que dynamique là aujourd'hui a. Et nous pensons qu'on va avancer très sereinement pour nous construire définitivement et c'est alternative pour le pays, pas alternative à Ariel Henry, encore une fois. Parce que ce pouvoir pour nous, puisque c'est blanc qui manœuvre toute bagaille, c'est une alternative par rapport aux blancs, disant que le pays est capable de résoudre le problème de l'insécurité, est capable de jeter les bases Alphonse. D'une nouvelle société à travers une conférence nationale où on n'a pas l'ensemble. C'est ça l'objet et le projet qui est là en construction et qui l'a mis en nous qui a bouilli là et qui a avancé tranquillement et sereinement pendant que nous pas suspendre à garder espace de négociation à pouvoir, espace de négociation avec étrangers, y compris la question de CARICOM qui l'a toujours. Monsieur Sendi, Alphonse, je connais, on a fini, même dans mes satisfaits, curiosité, moi, son d'arabes en question qui peut être à la fois général et direct. Comment un acteur politique, un haïtien sent-il, monsieur syndic, bon, question ça l'est valable pour n'importe acteur, dans n'importe qui, quand il y a, mais comme c'est vous-même, je ne m'appose lui. Comment un acteur sent-il, un haïtien laissé, un étranger, qui pour Kabdili, faut que nous créions conditions, tant que Guterres Feli, créer conditions pour rétablir institutions démocratiques, chaque monde doit mettre intérêt personnel de côté pour nous faire concession. Comment un haïtien sent-il, un acteur politique sent-il, et bon, pas un acteur politique, un acteur, tout simplement, sent-il, laissez-le étranger qui a dit ça. Qui concession, je dis à un acteur qui a fait pour permettre la crise de la résoudre en 30 secondes. Très bien. Et, merci, c'est une bonne question. Et vous connaissez qui sentiment gagne? Nous avons dit dans l'air, il est douloureux. Là, ouais, vous avez un sentiment de honte à un certain moment. Là, regardez que pendant 2 ans, on construit cet espace-là. Ou parlez à mon nom, interpellez, ou discutez avec eux, montrez l'intérêt national là, ou gardez côté lié, il y a pas avancé, il y a des difficultés, il y a couru, calé, le 21 décembre, qui a fait ça à faire là, qui mettait un volume massacré dans le pays là, ou gagné comme sentiment. Mais cependant, ça blanc a dit là, c'est pas lui-même, non, Binavel. Son initiative haïtienne, la question de la solution haïtienne à la crise, c'est Montana, oui, qui pose le problème là, dès le départ. On ne va pas parler pour Chapelle, parce que ce n'est pas important au moment donné, mais il faut nous rappeler ça. La question du refus que Blanc mène les forces militaires dans le pays, c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas faire ça. Il dit, mais la même question de, il faut que le pays a tourné un ordre institutionnel, un ordre institutionnel normal là, pour le fait là. C'est nous-mêmes, et peut-être pas parti, ça, non, on dit ça. Parce que nous-mêmes qui parlons au nom de Montana, nous n'avons pas un projet sous pouvoir, non. Nous pas un projet chef, nous avons un problème, un projet ministre. Et c'est ça qui va toute difficulté, là. Parce que si on était capable de faire un ministre, un directeur général, faire un baron de Sadavli, il va être bon déjà. Donc c'est ce refus-là de la dignité et que le pays a qu'à reprendre capacité pour la conquête de souveraineté politique. C'est ce refus-là que Blanc va parler.
et le même rapide lisé, même parole, pas où. Il faut comprendre que c'est Ligue Navel. Non! Oui, mais Monsieur Koutou, rien n'est voté, il n'a rien n'est voté nouveau. Ça l'a dit, c'est la bataille de ce peuple-là depuis deux ans pour sortir dans sa lière. Vous dites, c'est ça, Blanc. Il a continué à construire. Vous dites, c'est ça, Blanc, Pablo, mais qui concession, je dis à un acteur capable de faire, nous-mêmes dans Montana, par exemple, qui concession nous prêts pour nous faire pour nous avancer au nom du pays, Montana fait toute concession. Okay. Au nom du pays. Qui ça okay. Parce que Gomba a écrivé, Mounio dit concession, c'est faire concession pour qu'on ait qui est cap chef. C'est faire concession pour qu'on ait ce que M. Ariel Henry a prêté. C'est pour faire concession pour qu'on ait ce que c'est M. Ariel Henry qui pourrait être pour le désirer, pour le faire CEP, pour le faire élection. Mais pour qui ça c'est autour de lui ou Moun que question posée, alors que problème pays a global, il n'y a pas voulu poser. Comment pour nous sortir la langue, il n'y a pas voulu poser. C'est la concession importante. C'est comment chaque monde qui est autour de situation ça, qui est engagé dans la bataille ça, fait pour faire la concession pour sortir le pays de lui-même. C'est pour dire que ça dit dès le départ que toute négociation politique doit être faite avec tout le bagage sous table là. Je cite tout le bagage sous table là, toutes les concessions sont faites. Mais personne n'a qu'à paraître avec une primauté, ni avec une préséance que M. chef, M. premier ministre, pour tout le monde me chute à bon côté, pour moi qui s'en café avec eux, ou bien qui s'en café pour moi. C'est là le problème qui bloqué. Il parle l'autre bagaille, non. Mais les concessions, au nom de ce pays, nous toutes consentis pour nous faire, et nous faisons toutes déjà. Le fait de s'ouvrir et de parler à tout le monde, sans exclusive, quel que soit camp politique ou quel que soit coteau campé, montrer la richesse de peuple haïtien, capacité, la difficulté de mettre ensemble pour résoudre le problème. Et on parle, nous parler en pile depuis deux ans, et sous crise là. Maintenant, ok, M. Henry dit qu'il va dans la négociation, il va dans un nouvel accord, etc. Et mon dit, là, notre association, une équipe parti politique, on dit, mais côté nous y est. Et mon dit, là, mon ligne de démarcation très claire. Maintenant, depuis notre la fin de fête là, et pas de monde qui connaît, est-ce que nous rencontrons? Pas de monde qui connaît, est-ce que y a un directoire qui monte, ou bien est-ce que c'est un ad hoc qui fait, pour nous parler avec IA, pour nous parler avec société, pour nous parler avec acteurs en face, pour que nous-mêmes nous montrer, nous, d'un coup, des mondes qui est en position de proposition. Maintenant, il y a un monde qui dit, ah, son tête note, il finit de faire, il fait lire, et puis il fait. Maintenant, le reste ne suit pas, et quelque part, il y a dit, bon, et c'est la même chose, et c'est. C'est le temps qui passe et en réalité, les politiciens ont les mêmes objectifs là et remplacer ça, bon ça, pour continuer et faire pas. Il y a des gens qui ont une compréhension ça. Mais vraiment, en une minute, et comment tu as répondu? Moi, je comprends, oui, la question, Robertson. Il y a un besoin d'un pays, d'une société, de traduit là, un besoin. Que effectivement, ça l'a prôné depuis des ans, d'immatérialiser. Il y a ce besoin-là, cette attente-là. Mais qu'on y a, nous-mêmes, dans Montana, nous réaliser que ça nous construit, n'est pas suffisant pour renverser l'ordre de cette chose-là qui est établie. Donc, c'est peut-être ça que nous voulons à tout le monde. C'est peut-être ça que des possibilités, ça, je dis à la. Mais lui-même, mécanisme, ça, il prend du temps. Parce que, comme on y a affirmé, on pas oublier. Que y a des contradictions profondes politiques, profondes dans le groupe qu'on nous a signé ensemble là. Il passe 5 ans, parce que mon bon jeune te comprenne pays, bon jeune t'a pas agi en de pays, que réaliser qu'il va mener aucun côté, il faut retourner sur eux-mêmes. Il faut retourner sur eux-mêmes, sans pas entrer dans l'humiliation. Il faut pas mettre en tête ou qu'on supérieur à eux-mêmes, ou qu'on le sent à Bayo. Il faut accepter de leurs différences pour permettre que ensemble avec eux, développer cette force-là. Donc il prend petit temps. Mais nous, quelques okay. jours, ou bien 22 jours de sortie et Jamaïque. Mais ce moment de mettre ensemble de Chita et de Prin, cette force-là de construire et d'affirmer, il prend du temps. Même la question de Prin font déclaration publique, par exemple. Il demandait qu'on tenu compte des difficultés, des divergences qu'il y a, et comment gérer, et comment développer l'élément moteur qui peut permettre qu'on mouvance à avancer. Donc nous, la construction, ça, et M. Charles, on va garantir. Que même le parti, mais confini, même le parti, mais publiquement, mais ça qu'il a, qui construit comme force et qu'il a, qui existe, en plus de ça, Montana Teye déjà, mettez international, y compris le pouvoir établi, leur situation nécessaire et obligatoire de négocier autrement.
et nous on a marché pour négocier autrement et pour permettre que l'intérêt pays a sorti comme élément fondamental de toute négociation politique aujourd'hui. Merci, bonne journée. D'accord. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras le bas les pays, nous bras le bas les bas.